Eh bien, salut tout le monde, c'est Bushcraft79. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation de couteaux. Allez, Nathan. Ah, mais oui, merde, excusez-moi. Donc, c'est le Mora d'Arnaud. Donc, vous verrez peut-être une autre présentation dans une autre vidéo. Ce sera le test. Ouais, ce sera... mais même la sortie, quand on avait fait, là. Mm. Eh bien, c'est que la vidéo, on n'a pas pu encore la mettre, donc voilà. Donc, si je bouge, normalement, je regarde si j'ai pas de tic. Donc, voilà, donc il a rajouté petite dragonne. Donc faire du bâtonnage c'est beaucoup mieux. On va essayer sur un piquet. Cet homme va mettre 3 ans. 3 ans plus tard. C'est bon, j'ai enfin coupé. Essaye avec ça. Ouais, il y a quelqu'un mais il veut pas être montré. Un petit bouquet de merde, c'est parti. Oui. Oh voilà, bah enfin... En fait là c'est une forêt privée du coup. Ah voilà. Parce qu'en fait on devait aller au ping-pong mais on avait la flemme. Voilà. Ah voilà, après qu'est-ce qu'il y a à faire pour écorcer, mais là il n'y a pas d'écorce. Trouve un autre morceau de bois. Tu veux essayer de couper ça? Bah tu prends un piquet. Bah vas-y, prends-en. Tant qu'à faire, autant se faire plaisir. Hein. Bon, un piqué pourri. Ouais. Bâtonnage. Là. Après. Là, vas-y, on le fend. Ouais. Dans l'autre. Du bâtonnage avec du bâtonnage pourri. Enfin, du bois pourri. Enfin, de bois pourri, quoi. C'est le bois là qui s'enfonce, mais bon. Ok, Arnaud, on va casser ton couteau. Hein. Et on te le repaye pas. Bien sûr. Ça. Hop là. Putain, c'est méchant ça. Enfin, bref, vous avez compris. Voilà. Comme j'ai dit, Jordze. Faire des petits feather stick. Coco, feather stick. Putain, c'est moitié du bois gras ça. Non, ça c'est du bois tout pourri. De merde. Ouais, mais il est pas pourri à l'intérieur. À l'intérieur, elle est pas pourrie. Fais gaffe à tes doigts. Là, voilà. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'on le perd pas. Là, je balance. Là, voilà. On le voit, attends. Attendez. Et là, tu sais plus le perdre. Avec voilà. Les tuyaux aussi. Hein. Ouais, les tuyaux aussi, qui est fluo. Là, voilà. Et il a rajouté du grip de raquette de ping-pong, de tennis. Avec un peu de chatterton. Ouais. Ok. Maxime, à plus. Gros geek. Là voilà. Et il a rajouté ça. Attends, là voilà. Ça. Là, là attention. J'ai remarqué l'autre jour, quand on faisait ça par le trou, ça sifflait. D'évacuation, ouais. Ça siffle. Donc on fait vraiment une petite présentation parce que les moras tout le monde connaît. Hein. Ouais. Donc en fait on va juste revenir dans le. On va prendre en vidéo quand on revient parce que. Pour vous faire voir quand même, c'est un coin bien sympa. Il y a des sangliers parce que Maxime en a déjà vu. Ouais. Et puis même déjà, on peut voir qu'il y a déjà des grillages et en bas il y a une clôture électrique. Donc ouais. On va pas essayer d'y aller. Hein. Parce que s'il y a des gens qui nous voient, on est un peu dans le caca. Dans le caca boudé. Donc Pantin, si tu regardes cette vidéo, je veux te dire, t'es vraiment doué. Alors, moi dimanche, j'ai sorti, enfin je t'ai déjà dit, et toi t'as loupé deux cartes. Hein. Ouais, il a loupé deux cartes, Quentin. On dit que lui il a pêché un petit brochet de 75 cm. Petit. C'est un petit. Bon, il était petit en taille, mais en grosseur il était pas gros. Enfin, il était grand en taille, mais il était. Ouais. Niveau grosseur, il était pas très gros. Ouais. Ouais, mais... Bon, j'ai pas trop à sa fin. Hein. D'autres vidéos de pêche, on filmera aussi avec la GoPro quand on mouline avec la cuillère, on mettra la GoPro dans l'eau. Ouais. La GoPro dans l'eau, si vous voulez voir. Ouais, parce que aussi, ah ouais, on fait la présentation de Mora, puis pendant qu'on y est, on va vous faire les petits trucs qu'on va faire dans la chaîne cette année. Ouais, voilà. Donc moi, ben ça va être, je vais découvrir un peu la pêche avec Nathan. Ouais, donc. À la place du ping-pong, on fera la pêche. Donc, moi j'ai déjà l'habitude de pêcher, mais je veux dire, là on fera partie d'un club de pêche. Donc,
Ouais, ça sera dans un club de pêche du coup. Et des vieux ? Oui, mais justement, ils nous apprendront des trucs. Ouais, voilà, nous c'est juste pour s'amuser. Hein. Après, Nathan aussi, encore un autre truc à dire. Oui, que je réfléchisse, mais oui. Détection. Ah oui, Tom, des journées de détection aussi. Donc j'ai déjà fait une, mais je la mettrai pas parce que c'est pourri, j'ai pas pu tout filmer. Puis mon tonton voulait pas qu'on. Enfin, vous voulez pas qu'on filme le décor, le paysage où c'est qu'on était, parce que tout simplement parce qu'il y en a qui sont contre la détection, qui sont qui aiment pas ça. Donc la prochaine fois qu'il prendrait son détecteur, on le fera avec la film. Là, oh putain, j'ai cru que mon écran de téléphone était mort, mais en fait c'est juste. Non, c'est. L'étoile d'araignée. Ouais, l'étoile d'araignée. Putain, j'ai eu peur. Ben moi aussi je vais, parce qu'en fait vu qu'il y a beaucoup de sangliers quand même, ça me fout un peu les boules, donc ah oui. Ben moi je vais peut-être me faire un arc avec des flèches en ferraille, ouais. Enfin des bouts de flèches en ferraille, ouais. Donc on fera présenter ça aussi. Et je voulais faire une vidéo aussi, fabrication des tests d'une scie à main, donc avec une chaîne de tronçonneuse. Ouais. Donc j'ai déjà récupéré. Aussi, la scie pliante, on va peut-être l'effacer parce que. Enfin, non, on l'effacera pas. Ouais. Mais elle ressemble beaucoup à la scie Baco, moi je trouve. Ouais. Ah, voilà, puis après, bah, y a d'autres trucs. Hein. Si pendant les grandes vacances, normalement, on fera peut-être un week-end pêche. Et Quentin. Ouais. Donc, du coup, en fait, on va dormir dans les forêts ou des trucs comme ça, puis après le matin, on va se lever assez tôt. On va aller pêcher, puis l'après-midi, ben, je sais pas. Ouais, on ira à la piscine ou. Ouais, voilà. Draguer nana, voilà. Enfin, voilà. Ça fait bien. Ouais, toi aussi, hein. Quentin aussi, là, il sera chaud, là. Ouais, Quentin, ouais. Quentin. Ah, vous le connaissez pas, mais vous le verrez sûrement. Oui, dès que vous verrez la bête. Parce que lui, il pêche bien. Hein. Ouais, il pêche bien, mais il loupe deux cartes. Ouais, c'est vrai qu'il est fort quand même pour louper de carpe. Mais il pêche bien. Ouais. Au niveau carpe, il est très fort. Ouais, après, puis... brochet et tout, carnassier, il aime pas trop. Ouais, lui, il est plus. Enfin, il m'a dit qu'il n'aimait pas trop pêcher à la cuillère. Je vais te dire un truc, c'est plutôt un spécialiste des carpes. Ouais. Puis moi, enfin, sans me vanter, mais. Moi, je veux dire, je suis plus un spécialiste des brochets, des carnassiers. Je pêche que de ça, en fait. Pas moi, je suis plutôt au petit gardon. Petit gardon, petit truc de ça. Les trucs où t'as rien à manger dedans, moi je préfère. Non, les trucs que tu prends à l'épicerie au fond des temps là. Ouais, c'est ça. Hein. Non. En fait, moi dans ma vie, j'ai juste pêché des gardons. Et une petite carpe, hein, mais j'ai pas pêché plus gros que ça. Moi, je vais te dire, j'ai pas pêché beaucoup de carpes. Hein. J'en ai pêché une et c'est tout. Et du coup aussi on vient de voir une cabane toute défoncée quoi. Et du coup vu que c'est de la bâche pour faire les tarpes, il y en a deux, et ben on va les chouraves. Vu qu'elle ne sert à rien, d'ailleurs on va peut-être y aller. Et c'est vraiment abandonné, il y a les palettes, elles sont complètement pourries, il n'y a plus rien, il n'y a plus de toit, il n'y a plus rien. Putain c'est chiant là, les toiles d'araignée, là tu vois les toiles. Là vous verrez pas mais il y a des toiles d'araignée partout. Ouais. Là, j'en ai une dans la main, là. Là, il y en a une devant moi. Putain, moi, je m'éclaterai en 50 dans ce chemin, là. Putain, je suis trop pressé de l'avoir. Donc, après aussi, j'avais pensé, au lieu de mettre Bushcraft 79, j'avais pensé mettre nature et loisirs. Non, nature et passion. Ouais, parce que Bushcraft, on fait pas trop du Bushcraft. Ouais, parce que Bushcraft, moi, je veux dire... Enfin, on est un peu jeune, quand même. Ouais. Déjà pour moi. Ah putain. J'ai pas une chenille par. Non, c'est une toile d'araignée. Ah c'est chiant, ça t'en a partout. Ah putain. C'est chiant. Ah. Moi aussi j'en ai partout. Soir, bonne douche. Ah putain, c'est chiant. Là, si vous voulez nous suivre aussi, sur Facebook. Comme d'hab. Ouais. Et, alors vous cliquez, pour aller voir sur Facebook, vous cliquez sur la tête à Nathan. Voilà, comme d'hab. Après, on va peut-être faire un compte Twitter, mais, ouais. Mais je comprends pas trop encore le fonctionnement de Twitter, donc. Ouais. Donc, déjà, j'ai même pas de compte perso, moi, Twitter. Ouais,
Ouais, moi aussi. Donc aussi, vous pouvez nous suivre sur Insta, Skype et Snap. Et Snap. Bon, après, tout le monde n'a pas. Mais... Ouais, donc, moi, sur Insta, ben, c'est Tom... 79. Non, t'as changé. Ouais, c'est Tom 79... 300 ouais. Non, 35. Ah oui, 35. Non, c'est... Soit... Attends, bon, au pire, je vais regarder. Ouais, au pire. Pour être sûr. Bon, après, mon Snap, moi, c'est Tomato 79350, comme je suis chier. Ah, et Nathan, c'est quoi? NatNat79350 pour Skype et pareil pour Snap. Donc au pire, ça, on vous écrira tout dans la description. Ouais, si on y arrive. Là, et moi, sur Instagram, c'est Nathan Gonor. Et Tom, c'est... Tom 7350. Ouais. Donc on fait pas... Sur Insta, je fais pas que du bushcraft, pareil pour Nathan. Moi, des vidéos à part aussi, tu vois... Enfin, pas nos vies privées, mais tu vois, avec nos amis, tu vois. Ouais, voilà. Là, donc, on vous dit à toutes, on va... Quand on arrive au bas, ben, on vous reprend. Ouais, en plus, elles sont toutes neuves. Ouais. On va tout de suite. Donc, en fait, on n'a pas pris la bâche, donc, en fait, là, le passage est là. Parce qu'en fait, on a un peu la flemme d'y aller, parce qu'on va devoir rentrer. Parce que quand même, il est assez tard. Nature et passion. Donc voilà, et ce qui fait qu'il faudra comprendre nos logos. Non, le logo, bah. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Au pire, ouais. Bah, je te le referai. Pour l'instant, on laisse Bushcraft 79. Ouais, pour l'instant. Et j'en parlerai à Mathis et à Jimmy. Enfin, on en parlera. Et s'ils sont d'accord, bah, je fais le logo et tout, puis je vous change. Et puis, bah, la prochaine, s'ils sont d'accord, on vous sent en vidéo. Et la vidéo d'après, bah, si j'y pense, au lieu de dire Bushcraft 79. Ouais, par contre, ça va être dur. Ouais. Donc, au début, si vous voyez qu'on hésite entre Bushcraft 79 et Nature et Passion, vous nous mettez dans les commentaires. Et hop, vous avez dit Bushcraft 79 au lieu de dire Nature et Découverte. Donc vous aussi, vous pouvez mettre Nature et Passion. Vous aussi, vous pouvez mettre dans les commentaires de cette vidéo si vous voulez laisser, si vous voulez qu'on laisse Bushcraft 79 ou si vous voulez qu'on mette Nature et Passion. Mmh. Donc c'est comme vous voulez. Enfin, nous, mettons, on va pas changer si vous voulez pas. Hein. Enfin... Mmh. Aussi, ce qui est bien quand vous aurez Facebook, en fait, bah, c'est que vous saurez s'il y a une vidéo qui va sortir et sur quoi elle va sortir. Donc, vous le saurez 3 jours à l'avance. Donc, on fera comme Dick et Nina, que c'est ce qu'ils font pareil sur Instagram, ils mettent des photos. Ouais. C'est ce qu'ils font 3 jours avant, ils mettent ce qu'ils vont faire. Enfin, là, c'était même une semaine avant. Ouais, parce que là, il y a aussi une image qui a mis une nouvelle photo. Ouais, les Howard. Ouais. Bon, non, mais ça, c'est juste pour plaisanter, je crois. Ouais, peut-être pas sûr, hein, parce que... Enfin, je pense pas. Bon, ben, à plus tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner, mettre des j'aime, des commentaires, ou à vous abonner. J'ai déjà dit. Ah oui, mais abonnez-vous quand même. Ouais. Parce que bientôt 60, alors... Ouais, 58. Et aussi, pour les 100 abonnés, ben, du coup... Je concours. Ouais, donc grouillez-vous à vous abonner, il y aura un jeu concours. Donc, on réfléchit à ce qu'on va faire. Et moi, j'ai pensé pour un Opinel ou un truc comme ça, un couteau suisse. Ou un Mora, je sais pas. Ouais, ou un truc. Un bon truc. Hein. Ouais, pour un truc de merde. En fait, on fera les 100, les 1000, les 50 000 et les 100 000. Ouais, bon, ça, si on arrive. Après, ça. Bon, les 100 000, c'est pratiquement impossible. Hein. Les 1 million, tu vois. Je voulais dire, on vient juste de vous dire au revoir, mais en fait, on continue la vidéo. Ouais. Et je voulais vous dire aussi, allez voir les chaînes Pumatchisées. Donc, vraiment, allez la voir. Ouais, ben, il sort pas beaucoup de vidéos parce qu'il doit pas avoir le temps. Ouais. Déjà, merde, 1, 2, 3. Déjà, d'ailleurs, là, il regarde plus nos vidéos en ce moment. Donc, à mon avis, bref, Arnaud Bushcraft et Couteau, Bushcraft Normand, Naturama, etc.
De quoi? Naturama, ils nous suivent pas. Si, ils nous suivent. Ils nous suivent? Ouais. Ah, ben Naturama aussi. Après, c'est qu'il y a d'autres. Bon, enfin, plein de gens sympas, quoi. Ouais, voilà. Surtout ceux qui mettent des commentaires sympas, ils sont sympas. Ouais, voilà. Donc, à part à XXX, je sais pas quoi, là. Ah, ben alors là. Mais si, mais il s'est excusé après. Ouais, ben moi, je te l'ai renvoyé, hein. T'as pas vu, non? Si, mais là, au début, tu l'as dit, après, tu l'as renvoyé, mais après, il s'est réexcusé. Ouais, parce que. Il disait, vos vidéos, c'est de la merde. Quand je suis allé voir les siennes, excuse-moi, mais. Vidéo de gaming, mais. Pas du gaming, hein. C'est présentation de sa cuisine, hein. Ah ouais, on voit plus la cuisine que la télé, hein. Bon, je sais pas où il l'était, mais. Enfin, voilà. Ouais, je sais pas, mais. Donc allez, abonnez-vous. On arrive au ping-pong en plus. La flemme. Ouais, bon allez. Je veux pas ma raquette. Ah, ok. Bon, à plus.